Et salut à tous les outsiders ambitieux, c'est Benjamin, auteur du site tradingdébutant.com. Alors, aujourd'hui, je voulais parler à propos de réussir dans tous les domaines de la vie. Bon, déjà, j'ai pas la prétention de croire que j'ai réussi dans tous les domaines de la vie, ni même de croire que j'ai réussi en trading. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas avoir un avis là-dessus et une idée de comment ça peut arriver. Avant de commencer, par contre, ce que tu peux faire, c'est cliquer dans la description, t'as un lien, 5 points essentiels pour réussir en trading, c'est si tu veux récupérer ton PDF. Ensuite, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et encore en plus, tu peux aussi cliquer sur le pouce en l'air ou pouce bleu, je sais pas. Bref. Alors, en fait, bon, si tu veux, d'après moi, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important, et ça c'est dans tous les domaines. Bon, c'est valable pour le trading, mais c'est comme ça que ça fonctionnera dans tous les domaines de la vie. C'est en tout cas moi ce que j'essaie d'appliquer pour avancer mieux et plus rapidement que les autres. Si tu veux, le truc c'est quoi? Le truc c'est la plupart du temps, quand tu vas vouloir te lancer dans un projet, peu importe lequel c'est, tu vas faire une chose. C'est au début tu vas arriver. Tu vas prendre plein de choses, tu vas prendre plein de choses, tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire, tu vas acheter une formation, ou peut-être même que tu vas rien acheter du tout, rien lire du tout, tu vas te dire, bon, moi je vais apprendre sur le tas, et voilà. Tu vas faire, et après, par exemple, n'importe quel domaine, comme le trading, et tu vas trader tous les jours, 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 tous les jours. Ça, c'est si t'es motivé, pardon. Si t'es pas motivé, tu vas même pas trader tous les jours, et là, bonne chance. Voilà. Et tu vas te planter, 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 et dans 4 ans, tu seras encore au même point. Tu vas te dire, mais moi, je comprends pas. Ça fait 4 ans que je trade tous les jours, je suis à fond, je suis passionné, machin, mais j'avance pas. Alors, d'abord, il y a des choses à mettre en place. La première des choses, c'est d'avoir des bases, c'est d'apprendre ses bases. Apprendre ses bases, tu vas pouvoir les trouver dans des livres, tu vas pouvoir les trouver dans des formations, tu vas pouvoir les apprendre par toi-même. Avec un peu de réflexion, si je puis dire, et d'observation, surtout l'observation, très important. Et ensuite, tu vas commencer à trader. Je prends l'exemple du trading, mais ça va être dans tout. D'accord? Tu vas commencer à trader. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est qu'il va falloir apprendre tes erreurs. Apprendre tes erreurs en trading, ce qui est recommandé, ou ce que la plupart des gens recommandent, ce que je recommande aussi, c'est de faire un journal de trading. D'accord? Et ensuite, tu vas devoir faire un plan. C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu vas trader, tu auras pris peut-être 100 trades. Sur ces 100 trades, tu vas vérifier lesquels ont fonctionné, lesquels n'ont pas fonctionné. Tu vas chercher les similitudes, et là, tu vas commencer à comprendre. Une fois que tu auras compris ça, tu vas en tirer une leçon. La leçon, ça va être ton plan. C'est-à-dire que tu vas arriver comme ça, tu vas te dire, bon, alors j'ai remarqué, quand il se passe ça, 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 ça fonctionne. Quand il se passe ça, 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 ça fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais trader que quand il se passe ça, ça, ça. J'ai mon plan de trading. Voilà. Et à partir de là, tout ce qu'il va falloir faire, c'est s'organiser. T'as que ça à faire. T'as que ça à faire. C'est-à-dire, tu vas arriver. Encore une fois, tu vas prendre ton plan, ton journal de trading, et tu vas t'organiser. Tu vas travailler de manière pro, on va dire. Donc, tu vas travailler, en fait. Tu vas pas jouer, tu vas pas, non, tu vas travailler. Donc, tu vas te dire, tous les jours, je vais trader de 7h-ci à 7h-ci. Tous les jours, je vais trader que s'il se passe ça, 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 etc., etc., etc. Et là, ça peut fonctionner dans le trading, mais ça va fonctionner dans tout le reste. C'est des choses qu'on entend beaucoup, ouais, passage à l'action, ouais, formation, machin. Mais faut être structuré, en fait, dans ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment une chose qui va faire la différence. Là, je t'ai pris l'exemple du trading, mais moi qui ai repris, quand je t'en ai déjà un peu parlé sur Snap, par mail, etc., suivant si tu me suis ou pas, tu le sais plus ou moins, j'ai repris une affaire, un food truck qui fonctionnait déjà. Et au final, eh ben, au début, franchement, c'était chaud, tu vois. Bon, déjà, sans parler du fait que c'est le début, que je commençais avec très peu de trésorerie, etc., 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 tu vois. Mais même au niveau de l'organisation, mais c'était catastrophique. Et après, donc par exemple, je sais pas, on va dire, je faisais les courses tous les jours, j'oubliais des trucs, machin. Et après, la deuxième semaine, ça allait un peu mieux, tu vois. Et de fil en aiguille, comme ça, eh ben, j'ai appris de mes erreurs. C'est-à-dire, je me suis dit, ah ouais, franchement, c'est galère quand je vais deux fois dans le même magasin la même journée. Ça y est, ça me saoule. Voilà, ce genre de choses. Donc, j'ai appris de mes erreurs. Après, je me suis fait une liste.
Je me suis fait une liste. Bon, alors tous ces ingrédients-là, je les achète dans ce magasin. Tous ces ingrédients-là, je les achète dans ce magasin. Ceux-là, dans celui-ci. Après, ici, je fais comme ça. Ici, je fais comme ça. Tac. Et tu t'organises, en fait. Et après, avec de l'organisation, eh ben, ça permet d'être beaucoup plus libre, d'être plus tranquille et de pouvoir bosser tranquillement, mieux, tu vois. Et ça, je te l'ai démontré dans le trading. Là, je te le démontre dans mon food truck. Et dans ton taf, c'est sûrement pareil. En fait, il y a des choses qu'en organisant mieux et en remettant en question, si tu veux, puisque c'est vrai, on va te dire, ouais, il y a ça, ça, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Pourquoi on fait ça comme ça? Qui a dit ça? Encore une fois, c'est des choses, faut regarder, tu vois. Il n'y a rien qui est sûr, il n'y a rien qui est acquis. Faut juste remettre en question, essayer de t'organiser et pas avoir des, comment dire, pas avoir des idées biaisées parce qu'on t'a dit que c'est comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Donc ça, c'est les points importants pour moi. Donc je te les répète, si tu veux, c'est apprendre de ses erreurs. Apprendre tout court aussi quand même. Apprendre de ses erreurs, avoir un plan et s'organiser. Franchement, avec ces quatre points-là, tu peux y aller, tu vas faire des choses, tu vois. Et donc surtout si t'aimes bien lire, tu vois, si t'aimes bien faire des trucs comme ça, ou même te former. Mais après, faut pas se surformer, tu vois. Parce que c'est vrai que tout le monde se dit, ouais, la formation, machin. Franchement, lire des livres, ça a jamais. Lire des livres, ça t'aide à faire des choses. Mais tout avoir dans la. C'est quoi le truc? Attends. Je viens de repenser à un truc, c'est quoi? C'est deux intellectuels assis iront jamais moins loin qu'un idiot qui marche ou un truc comme ça, c'est une connerie comme ça. Cette phrase-là, elle veut tout dire. Deux mecs intelligents qui sont assis, qui peuvent parler, ils peuvent discuter, ils peuvent avoir toute la théorie, ils iront jamais aussi loin qu'un mec, même s'il est idiot qui marche. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Donc, oui, il faut apprendre, oui, il faut se former, blablabla. Mais il faut faire. Et surtout, moi, je vois souvent les gens, tu vois, quand t'entends les mecs un peu plus. Moi, je traîne pas mal avec des. Enfin, je traîne pas avec grand monde d'ailleurs, mais je côtoie pas mal de gens un peu plus âgés que moi. Et souvent, je les vois, les gars, ils ont la quarantaine, ouais, les enfants, faut leur dire, faut qu'ils apprennent de nos erreurs, etc., machin. Mais tant que l'erreur, tu l'auras pas faite par toi-même, on a beau te le dire, moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'ai dit à des mecs qui commençaient à trader, non, mais fais gaffe, faut pas trader en réel, ça fait qu'une semaine que tu gagnes, crois pas que, enfin, ça fait qu'une semaine que t'as commencé le trading, crois pas que c'est parce que ça fait une semaine que tu gagnes, que voilà, c'est trop facile, c'est comme ça, t'es pas Superman, machin. Mais le mec, tant qu'il l'aura pas vu par lui-même, qu'il se sera pas brûlé les ailes par lui-même, t'as beau lui dire, on était pareil quand on était petit, tu vois. Quand tes parents ils te disaient non, touche pas, tu touches, ah bah oui, t'as pris l'électricité, ou ah bah oui, t'as touché la paroi de la cheminée, tu vois. C'est pareil. Tant que tu le verras pas par toi-même, on a beau te dire ce que tu veux, c'est que des paroles de vieux con, en fait. Voilà. Donc, si t'as aimé cette vidéo, ce que tu peux faire, c'est la partager sur Facebook ou Twitter. Et sur ce, passe de bons trades, mets ton pouce bleu et à la prochaine. Ciao!